Buongiorno les amis, aujourd'hui troisième jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Naples les amis. Je vous retrouve bien sûr sur ma terrasse préférée. Je vous l'ai dit, je prends vite mes habitudes ici. Je prends vite mes habitudes en voyage en général. Aujourd'hui, on va commencer la journée par aller découvrir un marché. Je voulais absolument découvrir voilà, des marchés typiques de Naples. J'ai noté deux marchés mais qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Il y en a un qui n'est pas très loin d'ici, qui est le marché de la Porte Nolana. Je vais vous le dire en italien. Il mercato di Porta Nolana. On va aller découvrir les étals de fruits, de légumes, de poissons probablement. Et puis sinon, quelques mots aussi, je voulais vous remercier. Je suis arrivé depuis 3 jours ici, j'ai partagé pas mal de photos, de stories. Vous avez été nombreux à commenter et tout, ça fait plaisir. Je peux pas répondre à tous les messages, mais j'ai reçu plein de messages. Et puis, parmi vous, il y en a beaucoup qui connaissent l'Italie. Vous m'avez envoyé plein de conseils, plein d'idées, plein de petites adresses. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos nombreux commentaires. Ça me fait très très chaud au cœur. Je vous retrouve en direct de la Piazza Bellini, les amis. Alors, la visite du marché di Porta Nolana ce matin, très animé, j'ai beaucoup aimé. C'est pas très très grand et j'étais assez surpris. Il y a pas mal de stands qui sont tenus par des Bengalis. Très animé, ça crie, ça parle fort, il y a les scooters qui passent. Ouais, c'était pas mal du tout. J'ai marché un petit peu, me voilà à nouveau au cœur du centre historique. Je suis en terrasse, je sirote un thé au citron, il fait toujours aussi chaud. L'architecture est toujours aussi magnifique. La suite du programme, c'est la visite de la chapelle San Severo. Et la chapelle San Severo, c'est aussi un incontournable ici quand on visite Napoli. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture baroque napolitaine. Elle a été construite en 1590. Et sous la chapelle, il y a une crypte avec pas mal d'œuvres d'art, dont le fameux Christ voilé qui est apparemment exceptionnel. Christ voilé de Giuseppe San Martino. C'est l'échec, c'est l'échec. La chapelle est fermée, elle est fermée le mardi et mercredi. Bon, en même temps, j'ai pas vérifié les horaires d'ouverture. Demain, je fais normalement une excursion. Je vous en dis pas plus, mais normalement, je fais une excursion en dehors de Naples et après-demain aussi. Mais sur la fin du voyage, je devrais avoir normalement une journée ici. Oui, je devrais pouvoir découvrir la chapelle San Severo. On va se rabattre sur un autre incontournable, le cloître Santa Chiara. Ici, c'est pas très loin et apparemment, c'est vraiment très très joli aussi. Che le fanno ancora in America. Il prezzo attuale
je suis arrivé dans le cloître Santa Chiara. Encore une fois, il s'agit d'un ensemble. Il y a une basilique, style gothique, il y a un monastère et il y a au total trois cloîtres. C'est dur à dire, trois cloîtres. Et donc le cloître de Santa Chiara, où je me trouve maintenant là, c'est magnifique. Hein. Il y a un grand jardin, des colonnes, des piliers, des voûtes. Tout l'ensemble date du 14e siècle, ça a été construit sous Robert d'Anjou, le roi de Naples. Mais par contre, ici, là, au niveau du jardin, il y a eu pas mal de rénovations, de restaurations qui datent du 17e siècle. Et on trouve justement pas mal de majolique. La majolique, c'est la faïence italienne typique de la Renaissance. Il y a même des moines qui passent. Surtout, on est au frais, là. Alors, il y a jardin, c'est ouvert, mais il y a quand même un petit peu de fraîcheur sous les voûtes. Je pense que je vais me poser un petit moment ici. De friture, c'est excellent. Je vais essayer de pas les faire tomber. J'allais dire au départ, c'est bien vendu, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. J'ai payé 8 euros pour le cornet, mais finalement, c'est quand même assez grand. Il y a du poulpe, du calamar, des crevettes. Je viens déjà d'en manger un là, c'est excellent. J'ai patienté un petit peu, les a fait frire sous mes yeux et tout. C'est une tuerie. Grazie mille. Polpetta. 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 Grazie. Grazie mille. Prego. Bellissimo. C'est officiel, j'ai décidé de demander la nationalité italienne, les amis. Jusque-là, c'est un sans faute au niveau de la bouffe depuis que je suis arrivé. On va reprendre depuis le début la visite du cloître Santa Chiara. Bon, je vais pas m'étaler, vous avez vu les images, c'est magnifique. Si vous êtes de passage à Naples, il faut absolument y faire un petit tour. Ensuite, le cornet de fruits de mer, je vous l'ai dit, hein, c'était plutôt bien servi. C'était très, très, très bien. Ça m'a mis en appétit. Je suis allé ensuite dans une trattoria et là, j'ai fait franchement un magnifique déjeuner. Une trattoria qui m'a été conseillée par une abonnée ce matin d'ailleurs, Bimaya. Merci infiniment pour ce conseil, pour ce type, pour cette adresse. Trattoria del Sole, c'était vraiment exceptionnel. Cuisine toute simple, hein, mais c'est le propre justement des trattorias. J'ai pris trois choses. D'abord une boulette de viande, très bien. J'ai pris ensuite des poivrons tout simples avec de l'huile d'olive et aussi quelques olives. C'était vraiment excellent. Et ensuite le plat principal, spaghetti frutti di mare. À tomber par terre. Il y avait des coques, il y avait des couteaux, il y avait des moules, huile d'olive bien sûr, des petites tomates, de l'ail. C'était vraiment la trattoria de quartier, l'ambiance qui va avec, bonne franquette sans chichi, je le dis souvent depuis que je suis arrivé, mais c'était vraiment le cas, c'était génial, super le service. Le patron là, qui était au fourneau, il avait la toque là, penchée comme ça sur le côté, vraiment le classique à l'italienne. Évidemment, c'est excellent. Déjeuner, je voudrais le dédier au tipeur. Je voudrais remercier aujourd'hui Pascal Bergeau, Alexis Lecoff,
et Mustapha Keskin. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. C'était fantastique ce déjeuner. Bien sûr, je suis à nouveau en terrasse en train de siroter un thé glacé. Il fait toujours aussi chaud. On va poursuivre notre balade sous le soleil italien. Grazie. Un caffè? Sì. Sì? Ok. Grazie mille. Grazie mille. Testa di moro. Moro. Testa di moro. Testa di moro. Testa di moro. 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 Patisserie Armando Scaturchio. Bene. Ok. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao. Déjà dit avant-hier, je vous l'ai dit hier, je vais vous le redire encore aujourd'hui, les Napolitains sont vraiment très sympathiques. Je viens de faire un petit trajet en bus et à l'arrêt de bus où j'attendais, il y avait un monsieur à côté de moi qui patientait aussi pour attendre le bus et le bus était un petit peu en retard. Bon, je me doutais bien qu'il allait arriver, mais j'avais surtout envie d'engager la conversation avec le monsieur à côté et il me dit « Ah, tu vas où ?» et tout. Bah, je dis « Ouais, je vais à tel endroit et tout. » Il me fait « Oui, oui, c'est le bus 151, t'inquiète pas. » Je monte avec toi dans le bus, je reste à côté, je vais te dire où faut descendre et tout. Vraiment très sympa le monsieur. Juste avant, je suis allé dans une pâtisserie qui m'a été d'ailleurs aussi conseillée par Bimaya. Alors Bimaya, encore mille merci. Superbe pâtisserie et le staff était très sympathique. Il y avait deux femmes et un homme barista. C'était vraiment adorable. Dans cette pâtisserie, je me suis pris un fameux baba au rhum. Oui, le baba au rhum, c'est un grand classique des pâtisseries napolitaines. Alors pour moi, le baba au rhum, je me disais, bah, non, le baba au rhum, c'est français. Comment ça se fait que c'est aussi populaire aussi à Naples? J'ai fait une petite recherche et en fait c'est ni d'origine française ni d'origine napolitaine. À la base c'est un roi de Pologne qui a inventé ça et qui l'a inventé en plus par erreur. C'est un roi qui adorait la brioche mais qui trouvait souvent les brioches un peu trop sèches. Et un jour de colère, ça s'est vraiment passé comme ça. Il a balancé la brioche au bout de la table, il y avait une bouteille de rhum, la bouteille de rhum est tombée. Et puis il a eu l'idée de goûter cette brioche imbibée de rhum et puis il s'est dit ah finalement avec un peu de rhum c'est pas mal. Et il a même appelé ça au départ Ali Baba. Qu'il était fan des contes des mille et une nuits et la fille de ce roi est venue épouser en France Louis XV et c'est comme ça que le baba au rhum est arrivé en France et qu'il est devenu très populaire. Et il est arrivé en Italie, en tout cas à Naples, à la fin du 18e siècle grâce aux Montsous. Les Montsous c'était des chefs français qui travaillaient pour les Bourbons de Naples, pour les rois de l'époque ici à Naples et c'est comme ça aussi que le baba au rhum est devenu très très populaire ici à Naples. J'ai payé au total 4 euros pour deux pâtisseries et un café puisque j'ai pris une deuxième pâtisserie après. J'ai pris une testa di moro, génoise, crème au chocolat, pas mal du tout. Mais je dois dire que le baba au rhum, c'était le summum. Il était très très bon, bien imbibé de rhum. Et comme je vous le disais auparavant, je viens de changer de quartier. Je suis venu ici juste pour explorer une rue très typique napolitaine avec voilà, le linge à sécher. Et ça a l'air de monter pas mal. La rue s'appelle Palonetto Santa Lucia. Arrivederci. Ciao. Ciao bello. Buongiorno. Buongiorno. Thank you.
Pronto? Pronto. Non prende qua? Mamma? Non prende. Ma io lo prendo. Je suis complètement claqué, la petite douche là ça fait du bien, ça me booste un petit peu pour commencer le montage, mais mon dieu que ça valait le coup, j'ai encore passé une très belle journée aujourd'hui à Naples. Vous l'avez vu en fin d'après-midi, j'ai pris un petit peu de hauteur, je suis allé rejoindre le Castel San Telmo. Alors je suis tellement à fond dans mes visites, dans ma balade que je suis complètement déconnecté, je suis arrivé là-haut. En fait, il était 19h30, le château était fermé. Depuis le château, on a une jolie vue sur la baie de Naples. Donc là, pas de vue, mais quand même une jolie vue sur la ville, principalement sur la ville et puis un petit peu le Vésuve. J'essaierai de retourner pour mon dernier jour au château, mais ça fait déjà beaucoup de choses à faire pour le dernier jour. Je veux absolument, le dernier jour, aller voir la chapelle San Severo parce qu'il paraît que c'est quand même très chouette. Sinon, ce soir, bien sûr, je suis allé dîner et évidemment, j'ai repris ce soir une pizza et voilà, je dois dire qu'elle était excellente. Il n'y a aucune déception sur la bouffe depuis 3 jours que je suis ici à Naples. La pizza ce soir, j'ai pris une bufala, donc mozzarella di bufala, mais il y avait aussi du parmesan affinage 24 mois, les amis. Ça ramenait un petit goût derrière là. J'ai pris avec une bouteille d'eau gazeuse et puis pour faire couler tout ça à la fin du repas, je me suis pris un limoncello, petite liqueur au citron. Franchement, c'était royal. J'ai pas regardé le détail de la facture. Je sais que les pizzas étaient un petit peu plus chères que celles que j'ai payées jusque-là. J'ai payé au total 13 euros. C'était parfait. Il n'y a rien à dire. Et puis, pour rentrer ce soir, j'ai pris le métro. Oui, il y a aussi un métro à Naples. Voilà, c'était une magnifique journée. Ah si, avant de vous quitter, je voulais remercier deux personnes, Agnieszka et Manu, Manu mon pote. Je voulais vous remercier très chaleureusement tous les deux parce que vous êtes venus plusieurs fois à Naples et on en a souvent parlé ensemble et c'est un peu grâce à vous que je suis là aujourd'hui puisque vous m'aviez donné très envie de découvrir cette ville. Donc un grand merci à vous deux, Agnieszka et Manu. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Naples en Italie. Ciao, good night.